On est à Miami, on va soutenir la famille, la Team France, on est là. Nani, grand joueur de football, incroyable, il cassait les mains à tout le monde. Yo, c'est la Team S3 et aujourd'hui, on est à Miami. On est à Miami et donc on va vous raconter notre voyage. Donc on est arrivé le premier jour, donc moi je suis arrivé avant Andreas, je l'ai attendu voilà à l'hôtel. Tu m'as manqué Andreas. Oh là là. Et le lendemain, Red Bull ont organisé une petite session promotion sur une place avec tous les freestylers, ils ont fait quelques battles, c'était incroyable. Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you. Après ça, on est parti à la plage, c'était pas très loin, donc on s'est dit on va aller faire une petite session à la plage. Et avec les freestylers, Johanna, Jordan. Jordan, je rappelle, qui participe aussi aux championnats du monde, il a gagné les championnats de France. Et donc voilà, c'est l'équipe futsal, dédicace à eux. Et c'était vraiment cool d'être avec tous ces freestylers. On est à Miami, on va soutenir la famille, la Team France, on est là. Johanna, Jordan, Mélodie, voilà. Et il y a tonton Céane qui arrive ce soir, je vais squatter sa chambre. Ouais, je sais que t'as pris ta caméra. Hey, je savais. Voilà, extra family, c'est voilà. La extra family. Je vous lâche app avec la caméra d'Andreas. Ceux qui ont dit que j'ai quitté S3, c'est pas vrai. On est toujours là. Ensuite, le lendemain, c'était le premier jour des qualifs pour les garçons. L'endroit où va se passer les Red Bull Freestyle Qualifier. Et on vient juste de découvrir la scène. Donc Mélodie, premier jour de qualif, 3 victoires. Donc je pense que ça a mis à la pression à tout le monde. Ouais, bon, on est là avec mon gars Nani, je voulais pas présenter Nani. Grand joueur de football, incroyable, il cassait les mains à tout le monde. Aujourd'hui il est avec nous au Red Bull Freestyle, ce sera le juge officiel. Et là on va aller faire quelques petits tricks sur la scène. Et Nani, il est archi chaud, regardez. Et le lendemain, finale du Red Bull Street Side pour les filles, pour les garçons, c'était un événement incroyable. Et Mélodie en demi-finale. Je suis tombée contre l'autre, polonaise, qui s'appelle Kalina. Oh.
avec une belle petite chute. Pour ensuite passer à la finale tant attendue, Melody vs Agouchka. On se laisse avec quelques images de ce voyage incroyable, regardez-moi ça. Yo, c'était la Team S3, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, pour nous c'est un grand kiff encore une fois de vous montrer nos voyages, parce qu'on voyage énormément comme vous avez pu le voir. Là, ce mois de décembre, on vous sort plein de vlogs. Donc j'espère que vous kiffez, voir de nouveaux paysages. J'espère que ça va vous donner la force de vous entraîner fort, dur dans tout ce que vous faites pour pouvoir avoir la possibilité de voyager partout dans le monde. Parce que le voyage, les rencontres qu'on fait, c'est ce qui à moi m'a le plus apporté dans ce monde. Donc voilà, big up à vous les gars, on se laisse. D'ici là, la recette n'a pas changé. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonne-toi.